Paysan, ça veut dire vivre dans son pays et c'est vraiment ma passion. Quand on fait un métier, je pars du principe qu'il faut déjà être fier pour le faire. Après, c'est sûr que le métier d'éleveur, c'est une passion. Chaque jour est différent, déjà au niveau météorologique. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir vraiment une différence quand nous travaillons avec des êtres vivants qui, chaque matin, peuvent se lever du bon pied ou du mauvais pied. Quand vous dites que vous êtes du comté, eh ben, les portes s'ouvrent, les gens vous regardent, les gens disent oui, c'est une réussite. Donc, c'est une carte de visite, mais je m'en rends compte aujourd'hui. Des fois, je suis même gêné parce que quand vous dites comté, ah, vous venez du comté, donc les gens, ils idéalisent ce produit. Je ne sais pas si on peut dire que les vaches, c'est vraiment l'acteur numéro un du comté parce que faut des hommes aussi. Parce que les animaux, oui, seuls, je ne sais pas ce qu'ils feraient, mais à mon avis, ils ne feraient pas ce que font les hommes derrière. Parce que pour faire du comté, il faut beaucoup de facteurs. Des animaux, des hommes, des compétences, du courage et de la volonté. Et si en plus le producteur apporte du bon lait, il est garant d'avoir un comté de qualité derrière. Moi, je suis fier d'être exploitant agricole, d'être paysan. Je pense que toute personne passionnée, de toute manière, est fière de ce qu'elle fait, autrement elle ne vivrait pas cette passion. Ah, ça procure un peu un sentiment de liberté, et puis on comprend un peu mieux nous, ce qu'on fait, etc. Le contact avec la nature, c'est la vie, j'ai envie de dire. On est un peu déconnecté de la société actuelle où c'est travail, bureau, etc. Là, nous, on arrive, moi, je me lève le matin, je suis dehors, donc suivant le temps, suivant le climat, suivant la journée, je vais faire un petit peu différemment tous les jours, en fait. Donc c'est la vie, c'est la liberté, quoi, d'être comme ça, dehors, en plein air. C'est vraiment un plaisir. Moi, je me force pas à me lever le matin, je trouve pas ça dur. Ça devient, c'est une habitude et un plaisir. On est au contact de la nature. En plus, moi, mes vaches, je leur mets des cloches, donc ça vit. Pour moi, les cloches, c'est la vie. Donc ça sonne les mariages, les enterrements, ça sonne toute la vie. Et les cloches, dès qu'elles sortent, les vaches sortent au printemps, on entend les cloches, la saison s'annonce, quoi. Donc c'est le printemps, après la fenaison, les stocks pour l'hiver, et chaque année, ça recommence, mais avec le même entrain. L'hiver, c'est le travail est un peu différent, il y a la neige, etc., mais après, quand on aime être dehors, quand on aime ce qu'on fait, été, hiver, il n'y a jamais de problème, en fait. C'est tous les acteurs qui sont autour de ce fromage qui font son goût, pas uniquement l'herbe, mais les fromagers, tout ce qui tourne autour de ce fromage.